Hey, how are you, Minasan? C'est Gunsho, et aujourd'hui, on se retrouve sur Splinter Cell Blacklist. Et ouais, donc là, c'était à peu près là où je m'avais arrêté. Bon, j'étais sur le toit, bon bref, on va pas pinailler. Donc je suis à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est parti. Alors, normalement, il faut faire ça, je crois, à tous les coups. Restez en alerte, je vais voir. Allez, viens voir. Je vais te défoncer, toi. Toi, tu meurs, voilà. Toi, tu dois rester à l'intérieur, ok. Bon, il faut que je passe là-bas. Oh oh. On met notre machin qui me base bien, voilà. Clé connectée. Ah putain, moi il faut défendre, putain. Les portes de la chambre forte sont ouvertes. Continuez la fouille. Ok. Oh. Hey! Hey! Que quelqu'un vienne m'aider! Oh. Gueule. Je ne suis pas là. Pas contre lui. Ha ha. Oh. Voilà. Au revoir. Allez, à moi les données, bordel. Super, voilà. Le transfert est fini. J'ai le disque. Okay. Sam, les Alcodes ont verrouillé le hall. Il faut que tu brises la vitre et que tu descendes en rappel. Ok. Ça va être fun. Ok. Grim, le plan indique où je vais débarquer. Négatif, Sam. L'IMS est muet comme une carpe. Ah putain, j'ai pas mis mon équipement qu'il faut adéquat. J'aurais dû prendre mon snipe. Je peux pas monter sur ça là. En plus, j'ai vu qu'il y avait un mec à l'armure là. Ah, mais ta gueule, bordel! Ça, mon arme est efficace. Voilà, fais le dos, toi. Il est où? Qu'est-ce qui se passe ici? Répondez! Il est là, je crois.
Un pied? Mais quel pied? What? Ils sont sérieux, le fusil à pompe là? On va passer comme ça, hein? Ok. You. Ok. Oh, mais il passe. Je sens qu'il a un armure qui va se... Voilà. Non, c'est pas un armure. Voilà. Ça m'a pas vu. Et le dos. Eh toi. Une balle. Voilà. Au moins, je peux me fâcher avec ces cadavres. Bon, je sais, je suis passé en force. J'avais envie. Alors, toc toc. Descendant tout ça, bordel. Des fois, il y a cet étage. Ah ouais. J'aurais bien voulu changer mon équipement. Ok. Bon. Toi déjà, tu meurs. Voilà. Raisons cette scène pourrie. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des mecs qui vont se ramener à le voir. Bon là, il y a un soldat là-bas, un soldat là. Ah, je peux pas toucher toi. Par contre là, il y en a un qui va se ramener là. Non. Ah ouais. Il va se ramener. Toi t'es bien caché toi là. Voilà. Toi tu seras bien caché là. Fuck. Putain, mais c'est la chambre de prison ou quoi là? Enfin, truc du président américain. Ouais. Freeze! Voilà. Rip le soldat en armure assistée. Enfin. Oh. What? Non mais... Putain de ouf là! Bon, y'a un portable là... Bonjour, c'est l'informaticien du coin! C'est pour ce portable? Ok, on va pirater.
Hop. On pirate ça. On fait un petit nettoyage de printemps. Ouais. J'ai pas tiré en pute de balles. Fuck. Je crois qu'il y a un truc de recharge de balles quelque part, non? Voilà. J'aurais bien pris l'option B, mais bon. C'est déjà ça. Alors, est-ce qu'on peut passer par là? Ouais. Ah mais fuck, il faut que je me coltine un soldat, sérieux? Putain mais tue-le! Voilà. Putain, je vais m'enfler. C'est vrai, ok d'accord. Ok, on passe par là alors. Voilà. Je suis dans le hall et je vais sortir du bâtiment. Sam, il y a un portail sécurisé sur ton chemin vers le point d'extraction. Tu dois être près d'une salle de contrôle de sécurité. Connecte-toi au terminal et on craquera les portes. Le mec qui tire sur le PC doux. Oh, ça sera pas utile. Ah, si je fais ça, c'est pour gagner les des machins là. Enfin, de l'argent quoi. Je rappelle, si on casse les machins, on récupère de l'IA. On va pas tuer toutes les balles, hein. Plus de caméra. Bon, elle va tuer ça. Laisse-moi regarder, je vais voir à quoi je peux accéder. Oh, génial! C'est bon, Sam. Une minute et je t'ouvre un chemin vers la sortie. Ça donne quoi pour l'extraction? J'y travaille, Sam. Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des renforts qui débarquent. Charlie, accélère le mouvement. Je suis à fond, là. Du renfort? Aucune nouvelle de l'armée iranienne? Aucune. C'est bien ce qui m'inquiète. Ils font profil bas. C'est une situation plutôt embarrassante pour eux. Sors de là, Sam. Tu joues avec les forces spéciales iraniennes et tu manques de temps. Et voilà, c'est bon, Sam. Les portes de sécurité sont ouvertes. Je suis en route. En attendant, continue à chercher comment me faire sortir. Bouclier. Ok. Il a l'air énervé, celui-là. Il est vraiment énervé. De toute façon, j'ai que ça. Merde, je lance trop loin. Voilà. Pourquoi il y a une arme en l'air là? C'est sérieux. Bon. Il y a des renforts qui arrivent, Sam. Et l'exfiltration. Briggs arrive en camionnette. On en reparlera une fois qu'il t'aura sorti de ce guépier. Retrouve-le tout au bout du jardin extérieur. On pousse, on pousse. Ok. On va passer dans l'ombre alors. Ah, je peux pas passer. Oh putain. Je sais plus. Voilà. Et de dos. Quoi, il faut que je capture ce mec là-bas à fond. La ligne, gueule. Toi. Fais de dos. L'arbalète.
parti où? Sérieux? Ah, il est là. Bon. Il y a eu le mec à capturer. Ah, c'est bon. Voilà. Fais dodo électrifié, toi. Voilà. Il y a des ennemis entre toi et le van, Sam. On dirait qu'ils portent des armures de combat. Merci pour l'info. Ah, putain, j'aurais dû prendre mon snipe. Des boucliers aussi. Ouais. Là, je peux pas choper là. Minion de choc, ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Bouge pas, il reste comme à piquer. Oh putain, il est chiant. Non mais tu me vois pas les chiens. Ah, je hais les chiens. Surtout dans le jeu, quoi. Enfin, j'adore les chiens, mais pas ces chiens là, tu vois. Ce chien là, il me mine le moral. En plus, il me suit à la trace, le con. Ah, mais lâche-moi, putain, le chien. Ok. On peut pas se passer autre part. Oh, sérieux. Putain, il me suit à la trace, le con. Est-ce que j'ai pas un soporifique là? Tiens, fais dodo, le chien. Comme ça, j'aurais pas besoin de t'euthanasier. Voilà. À faire de dos. Quoi? Il en reste encore un? Ah, mais c'est un mec, ok, d'accord. Fais de dos. Je suis un chasseur de tête. Démarre. Mauvaise nouvelle. Je vois au moins une douzaine de véhicules qui se dirigent vers toi. Il y a une autre vague de véhicules ennemis qui approche. On n'a pas moyen de les éviter. Il va falloir passer à travers. Passer à travers. Je fais descendre le drone. Repérer. Ça, c'est le cadet de nos soucis. Missile AGM paré. Négatif, je répète, négatif. Ils vont savoir qu'on est américain. Grim. Pour le drone, feu à volonté. Grim, j'espère que tu sais ce que tu fais. Véhicule ennemi détruit. Véhicule éliminé. Éliminé.
Ah bah c'est chaud. Oh merde. Merde. Merde, on se fait remarquer. Tu parles mal de farci, mais on dirait qu'on a réveillé tous les militaires du pays. Ils vont bientôt déployer les défenses aériennes. Je suis pisse comme une merde. Les poursuivants sont hors course, la voie est libre. On se retrouve dans l'avion. On se retrouve dans l'avion. Ouais. Eh putain, moi je vous dis, c'était pas de la tarte. Donc je vous dis, ben, à plus tard pour un épisode sur Splinter Cell Blacklist. C'était Guincho. Bye bye. Le drone, juste un dysfonctionnement très regrettable. Oui, bien vous sûr. Vous êtes dans cet avion pour une bonne raison. Vous êtes censé être mes yeux et mes oreilles sur cette mission. C'est le cas, Madame la Présidente. Sauf que je n'ai pas confiance. Allez, tu ne t'attendais pas à ce que je te félicite. Tu aurais fait la même chose à ma place. Risquer une guerre pour sauver ta vie? Ce que j'ai fait, c'était dans l'intérêt de la mission. La Présidente n'est pas la seule à avoir une bonne excuse. Les données qu'on a prouvent que l'Iran n'a rien à voir avec la Blacklist. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, je sais ce que tu veux dire. Tu penses que j'ai fait un mauvais choix comme Briggs à Londres, c'est ça? Les décisions que nous devons prendre ne sont jamais simples, Sam. Jamais personnelles non plus. Ah, vraiment? Alors prenons un exemple. On sait tous les deux que tu prendrais tous les risques si la vie de Victor était en jeu. Victor n'a rien à voir là-dedans. C'est pour lui que tu es dans cet avion. La seule chose la plus importante que la mission, c'est l'équipe. Graham. Merci. Tu veux me remercier? Par la Briggs. On aura besoin de lui si on veut réussir. Hé, hey, les gars, le mouchard qu'on a posé sur la bombe, il arrive aux États-Unis. Oh, Y.A.B. Ok. Bon. Voilà, ça c'était rattaché à l'épisode, donc voilà. Donc je dis quand même, enfin je vous redis en fait, à plus tard pour un autre épisode sur Splinter Cell Blacklist. C'était Guincho. Bye bye.